qu'à lui. Je n'ai même pas un petit zébardi pour nous prévenir du début. Zébardi, quoi. On fait ce qu'on peut, hein. On reparlera de cette common task, hein, d'ailleurs. Eh ben. Ouais. Bonsoir à tous. L'heure est grave. Salut. Alors, ça va? Ouais. Ça va, ouais. Tranquille. Toujours. Du coup, j'étais dans le noir et j'ai juste vu le bouton report. Et du coup, je sais pas qui j'ai trouvé, mais c'était. T'as trouvé Ipso? Ouais, c'était le corps bleu. Ouais, c'était Electrical, du coup? C'était au milieu. Je connais vraiment mal la map. Dans au un milieu ou quand on sort du laboratoire, qu'on va à gauche et qu'on ressort On ressort, mais on est déjà sorti. Bon, on sort de laboratoire, ensuite, quelle est la direction? Ok, le rond-point. T'es dans le coulin, après il faut aller à gauche et sortir tout à gauche. Ah, sortir complètement du laboratoire, ok, oui. T'étais à contamination et t'as pris le sas, c'est ça que tu veux dire? Non, en fait, elle parle de labo et ensuite il y a la fusée. Ensuite, il y a la fusée, mais ça fait partie de laboratoire en fait. Laboratoire en haut ou en bas? Non, mais elle l'a découvert pas dans le laboratoire, je pense. Entre c'est, des... pas, c'est pas dans une pièce, c'est, au oui, milieu, c'est dans, dehors. Dans, les rochers. Dans la pampa. En sortant. Attendez, en sortant de laboratoire en haut. Montre avec ton doigt sur la carte. Montre avec ton doigt. J'ai mis la map. J'ai mis la map sur Discord. Je pense qu'il y a peut-être le laboratoire pour aller vers... Tu prends la A90. Ah mais mute toi là. Cyril. Alors c'est à côté de storage. Sur la droite. Ah d'accord. Là je suis pas allé là. Voilà. Je dis. Attends mais Rizla t'es... Oui, vous êtes sortis ensemble, vous êtes allés où? Moi je suis vous êtes sortis ensemble sur sans faire gaffe parce que en vrai j'ai fait le scan et puis j'attendais de voir si elle faisait le scan aussi et je l'ai pas vu faire le mouvement pour faire le scan et à un moment elle a bougé alors j'ai couru et c'est possible que je sois passé sur le corps, je l'ai pas report parce que j'avais peur. Waouh. Oh là. Alors sacré excuse hein, ça pas alors non mais après c'est vrai que j'ai vu Pokpi et Rizla sur le scan. Et je crois que quand j'ai arrivé la première fois. Non, mais après, dans le système français juridique, ça marche hein, comme excuse. Y a pas de... Non, mais la créativité de l'excuse, m'a vu faire le scan. Oui, j'ai vu faire le scan. Et moi, je l'ai attendu pour voir si Poppy faisait le scan. Et en vrai, il y a peu eu le mouvement. Bon, je skip, je skip. Pas avancé du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est clair, j'ai skippé perso. En fait, vous m'accusez là? Mais si j'étais mort de rire pendant la moitié, je te suis. Attends, mais je peux être. Bah, c'est bien. C'est faux.
Bah ok. C'était quoi ce move là, Pitissi là? Ok, tu vas pas me croire. Tu vas pas me croire. Mais en plus, ça n'a rien de suspect parce que je n'ai pas bougé. En fait, ma souris, je l'appuyais plus et je vais absolument cliquer sur la porte. Et du coup, je vois quelqu'un qui passe, je me dis, bon, il ouvre la porte, c'est bon. Et la porte se referme juste devant ma gueule, je sais pas qui a fait ça, c'était complètement con. Et voilà, et du coup, j'aurais cherché ma souris pendant une demi-heure. En fait, je sais pas pourquoi. Tu vas pas me croire. J'ai changé d'écran il y a pas longtemps, il est plus grand. Bon. Alors, vous allez pas me croire. Ouais. Non, mais surtout que c'est nul, enfin, un tueur ne ferait même pas ça, tu vois, donc ça n'a aucun intérêt. Mais c'est vrai que j'ai pas bougé pendant longtemps devant la porte. Voilà. Moi okay. J'ai toujours un... Enfin désolé Pogby mais je suis quasi... On peut reparler. Que t'as pas fait le scan. Oui. Mais quand tu fais le scan, il y a une animation. Non, j'ai enlevé les tasks visuelles parce que sinon c'est trop facile. Sinon effectivement... Quand même ça. Bah non, tu vois rien du tout. En fait tu vois toi quand tu le fais, mais tu vois pas quand les autres le font. Donc elle t'as pas vu le faire non plus par exemple. Oui, parce que c'est... J'ai rien dit alors. Et du coup, je viens sur le chat vu que je suis mort. Bah, y a pas grand monde parce que ils veulent pas spoiler, je pense. Ok. Et les silencieux là, Franck et Flex. Mais moi, je n'ai. Allez, moi, je vote rien à dire. Quoi? Allez, vote Flex. Non mais c'est moi. J'étais là seul depuis le début. Je crois que j'ai croisé Shower il y a 10 minutes à la première manche là. Il y a 10 minutes! En fait, on est en train de potentiellement laisser passer un double kill de deux bons joueurs. Bah, de toute façon, on va pas. C'est surtout alors que. Reset, hein. Personne n'avait croisé les autres joueurs avant. Oui, j'avoue, les autres. Ah ouais? Mais non, je demande. Je me mets en chat, je t'écoute même pas, je te regarde pas, je suis sourd et aveugle. Merci, Shower. T'es louche, toi, hein. Tu sais? Il est trop marre de rire, lui! Bon, allez, j'en ai marre, je me vote moi. Allez, bon. Okay, ouais, on peut en plus. Non mais je sais pas s'il y a d'autres. J'étais vers Oxygène et il y avait Flex, on était ensemble vers Oxygène en bas à gauche de la map. C'est ça, mais c'était il y a un moment. Oui, non mais c'est justement par rapport aux 3 premiers kills dont on parle là. Ça fait 10 minutes que j'essaye d'aller à ma mission dans Spécimen. Et je l'ai fait. Quelle bande de cons là, qu'est-ce qu'on va foutre? Moi franchement, j'ai rien vu. J'aurais peut-être utilisé. Il y a des petits votes répartis. Putain, mais tous les votes là, genre. Un peu partout. On va tous crever, putain. Alors là, on a eu chaud. Oh putain. Oulalalala, ok. On liait quoi en fait? Heureusement qu'on a trouvé un corps parce qu'alors ça pue alors. Ça fait. Il y avait quelqu'un à droite? Oui. C'est une bonne question.
Ouais, moi j'étais à droite. Bah, de toute façon, vous le voyez, normalement il y avait Deux. Attends, ça fait combien de temps que vous êtes sur quel capteur, s'il vous plaît? Moi je suis arrivé il y a pas longtemps. Depuis le début de l'alerte, je suis sur le capteur de en haut à droite. Moi j'y arrive. J'ai appuyé dessus comme un connard. ça fait longtemps que j'ai mal au doigt maintenant. Ok, il y a Franck qui est mort. Il y a Franck qui est mort. C'est lui que j'ai reporté, en fait, je suis con. Ah bah oui, non, t'as reporté. Il y a eu une autre kill ? Non, t'as reporté Rizla, je crois. C'était vers le bonhomme que t'as reporté. Ah putain de merde. Moi j'ai des gros doutes sur Shower. Non, je t'assure. Si, j'ai des gros doutes parce que Rizla. Attends, tu veux que je t'explique où est-ce qu'il est ? Je suis parti à droite, il me laisse pas parler, c'est suspect. Laisse-le parler deux secondes, tu as le temps de parler après, vas-y. Je suis parti laboratory et il y a Rizla qui est arrivé après. Je faisais mon scan, j'ai vu Rizla qui s'est arrêté devant moi, qui a douté et qui est parti ensuite spécimen. Oui, il est parti spécimen, c'est pour ça qu'il mettait du temps à revenir. S'il était en bas de la map, comment ça se fait que toi, Shower, après les 10 minutes d'emergency, t'es toujours pas... Il est juste en bas de ton capteur, je t'explique. Il est juste en bas, là tu descends, tu le reportes. Là, moi j'étais labo, et là je suis sorti de labo, j'avais là les tasks, et je me suis dit, bah, c'est tranquille, les gens ils vont faire réacteur. Et moi je finis mes tasks labo. Non mais tu peux pas te dire ça avec deux tueurs, genre, c'est pas possible. C'est vrai que c'est un peu stupide, mais là je suis pas... Aïe! Juste à dire. Mais Flex, je pense que ce serait trop un ballsy move qu'il fasse ça. Et on a non, deux. Moi, je suis pas assez intelligent. On a deux tueurs silencieux là en fait, si on remarque bien en fait. Le truc c'est qu'en fait, le problème c'est qu'on a visiblement pas beaucoup d'infos en fait. Il y avait Rizla qui a accusé Pokpi. Ouais, oui, c'est vrai. Et puis voilà. Mais est-ce que quelqu'un a vu Franck aussi avant? Là, pourquoi je ferais un report? Pourquoi je ferais un report, un self report sur Rizla? Ça a aucun sens. Bah. Ça, par contre, je suis d'accord. Ouais, c'est vraiment merdé. Parce que là, il reste seulement le fait de qu'on vote. Bien sûr. Si Rizla était en dessous de toi, ça se tient en fait. Si Rizla était en dessous de toi, Flex. Bah non, mais. Moi, je vais croire. Rizla qui votait pour Pokpi. Ok, vas-y, let's go. Il faut qu'on vote, de toute façon, il y a deux imposteurs. On vote sur Pokpi ensemble. La pauvre, elle a pas eu le temps de se défendre. Merci, genre, j'avoue. Ouais. Pendant qu'on te jette dans la lave. Le pire. Yeah. Et c'est ce qu'on appelle une masterclass, voilà. Merci Rizla, hein. Désolé. Mais non, mais Pokpi, en plus, j'ai dit après que c'était pas elle et que j'étais désolé. Oui, avec Pokpi, c'est vrai. Mais là, c'était la panique, Non, mais c'est ce qu'on appelle une masterclass des joueurs professionnels. Le kill sur Rizla, derrière, dans le dos de Flex BB, était parfait. Merci beaucoup. C'était entre Flex et Shower, quoi. Oui, en plus, personne nous soupçonnait, ça me bute, vraiment, on était incroyable. Mais Flo, il était en roleplay, de ouf. Le round. Mais oui, le round d'avant, genre au début du round, t'as fait oh, qu'est-ce que je fais déjà? J'ai pu t'as dit un truc comme ça en micro ouvert, et je me suis dit, mais c'est bon.